on va voir Stand By Me. Je ne le fais pas dans la version originale, mais pour ceux qui veulent jouer par-dessus la musique, rien de plus simple, il suffit de jouer ça et de mettre un capodastre sur la deuxième case de votre guitare. Pour ceux qui ne connaissent pas le capodastre, c'est un instrument formidable tant qu'on n'a pas appris les barrés pour pouvoir transposer les chansons. Ça aide aussi les chanteurs à trouver la tonalité qui leur sied le mieux. Pour les femmes, par exemple, on va pouvoir mettre un capodastre un petit peu plus aigu pour pouvoir chanter la chanson. Pour les hommes, suivant la tessiture, si on est dans le grave, dans le médium ou dans l'aigu, on peut chercher accord ouvert sans capodastre ou alors capodastre, capo 1, capo 2, capo 3, capo 4. Je vais vous montrer tout de suite cet instrument. Si je le trouve. Donc le voici. Donc ça, c'est un des capodastres possibles. C'est une pince qui va venir raccourcir la guitare, donc la rendre plus aiguë. Alors faut faire attention à ne pas faire mal aux cordes. Donc on pince d'abord, on met et après on lâche. Donc si on veut jouer Stand By Me par-dessus la chanson originale, on met un capo 2. Ce qui fait qu'en fait, ce capot nous aura fait gagner un demi-ton, deux demi-tons, ce qui fait un ton entier. Donc là, en faisant un sol, en réalité, ce ne sera pas un sol, mais un la qu'on entendra à l'oreille. Et nous, on peut jouer nos accords qu'on a appris sans capot. Donc ce sont des accords ouverts, sans barré. Parce que si on devait faire la chanson dans la tonalité originale, on serait obligé de faire à un moment donné un barré. Et on ne sait pas encore les faire. Donc grâce au capot, on fait tout en accord ouvert, dans la tonalité originale. Aujourd'hui, je vais vous le montrer sans capot, parce que finalement, ça revient exactement au même, pour travailler. Premier accord, sol majeur. Degré 1. Deuxième accord, mi mineur. Degré 6. Si vous avez fait Let It Be, vous remarquerez que c'est le relatif mineur, sauf que Let It Be, c'était en do. Do, ré, mi, fa, sol, la. Le la mineur était le relatif mineur de do, sixième degré. Et bien en sol, sol, la, si, do, ré, mi, c'est le sixième degré. Donc finalement, on est toujours sur degré 1, degré 6. Sauf que dans les petites mi, on ne faisait pas degré 6 tout de suite. Là, on fait degré 1, degré 6. Après, do majeur, qui est le degré 4, sol, la, si, do. Et après, ré majeur, qui est le degré 5, sol, la, si, do, ré. Donc là, je fais une pause et je vous dis, let it be. Et Stand By Me utilise les mêmes degrés, les mêmes accords pour faire deux chansons qui sont différentes. Et ça, c'est la musique. On peut faire des milliers de chansons avec les mêmes accords. Deux mesures de sol, deux mesures de mi, une mesure de do, une mesure de ré et deux mesures de sol. La seule difficulté de ce morceau, c'est de ne pas oublier que les sols qui finissent ne sont pas les sols qui commencent. C'est-à-dire que quand on a fait les deux mesures de sol de la fin, il faut recommencer à faire sol. Je vous la fais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, ça recommence. Donc vous avez bien vu qu'il y a eu deux sols à la fin et qu'on recommence avec deux sols au début. Pour la rythmique, ce qui est un peu sautillante, il faut jouer le 1 et le et de 2. 1, 2 et 3, 4 et 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 1. Donc on joue tous les temps vers le bas et on profite entre le temps 2 et le temps 3 de faire entendre la main qui remonte. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Et s'il y a un et de 4 qui se fait entendre, c'est pas grave. On pourra même penser qu'on fait 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. J'ai fait qu'un accord de sol. Donc voilà, pour la rythmique, au début, on peut aussi, si on commence et qu'on a envie vraiment de jouer des chansons, ne pas faire la rythmique, jouer par-dessus la chanson et juste marquer les changements d'accords. C'est-à-dire qu'on peut faire 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, ça recommence. Donc là, vous avez vu, le dernier sol, on peut aussi ne pas le jouer.
parce que c'est ce qui permet de relancer la boucle. Et c'est là qu'il y a un silence et que le chant, lui, lance en faisant « When the night ». Bah donc voilà, c'est tout. À vos guitares. À bientôt, les amis.